Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne TRB Gamer. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur RPG Maker MV. La présentation d'un plugin sélecteur. Un 3 en 1. Un 3 pour 1 si vous aimez mieux. C'est un plugin que je viens de finir de créer. Ce que dans le fond, c'est que je trouve que. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de plugins. Et là, ça fait que quand on va dans les choses de plugins, puis on fait recherche notre plugin, ça en fait comme à pas mal. Que j'ai décidé de faire un petit ménage, puis d'intégrer. J'avais fait des plugins comme ajouter un événement commun sur votre menu. Ben, j'ai pris lui, puis après ça, j'en avais fait un autre, c'était un sélecteur d'événements. Je l'avais fait en éditeur, après ça, mais en plugin, là, c'était pas mal mieux en plugin. Là, je l'ai intégré avec le chose au menu, le mettre au menu. Et en plus, j'ai ajouté un nouveau plugin dedans, c'est le bouton Event. C'est pour le clavier. C'est que dans le fond, on a trois plugins dans un. Le tout en français. On va aller voir tout de suite la commande. Non, attendez. Ici, dans la paramètre, l'événement commun qui va afficher dans votre menu, en français, menu event en défaut. Je trouve ça pas pire, c'est un menu pour les événements. Déjà là, c'est bien. Idée event. Ça, c'est l'idée de votre événement qui va afficher dans votre menu. Pour ma part, à la case 999. On va vous montrer ça après. Ensuite, c'est là qu'on va aller voir. L'événement qu'on va créer. Le plugin a des commandes pour un sélecteur d'événements. Quand on va créer un événement commun, on va mettre ça dedans ici. La commande. Mais on va la mettre à la fin. Parce qu'au début, genre, on va mettre événement commun add. Puis l'idée de votre événement commun. Ben, je sais pas c'est quoi vos événements communs. Comme moi, j'ai la banque, j'ai des téléporteurs, j'ai une coupe d'affaires genre. Ça peut être 21, 12, je sais pas. Là. Mais vous marquez sélecteur event, mettez RB, sélecteur event, add, le numéro de votre événement commun. Ça, c'est pour l'enlever, pour tout enlever. Ben, vous montrez ça après. Que ça, c'est pour que quand que vous allez. Quand vous ajoutez votre événement commun, ben qu'il y ait plusieurs événements communs. Ce qui fait que quand on rouvre notre menu événement commun, on rouvre le sélecteur d'événements communs. Que là, on se retrouve avec tout notre événement commun dans le même paquet. Puis là, on peut sélectionner avec le clavier ou la souris. C'est comme un menu comme RPG genre c'est pas comme qu'est-ce que j'avais fait sur mes anciens tutoriels genre un genre de menu avec une chose à numéro là, qui choisit la chose. C'est similaire mais c'est pas ça. En plus le plugin a aussi ben tu sais vous pouvez lire là, ici là, ça vous dit là. Je vous dis quand même assez clair. Que tu sais qu'il faut faire un événement commun, et ainsi de suite. Là. En plus, ce plugin-là a l'ajout des événements communs sur les boutons clavier. D'un à 0, les touches spéciales, de A à Z, puis les touches directionnelles et le pad numérique. Tout s'ajoute. Là, vous pouvez aller lire d'autres commandes plus bas. Vous pouvez aller, je passe très vite parce que je veux pas que ce soit un tutoriel trop long. Là.
Que là, c'est ça. Ici, notre événement commun qu'on va aller créer. Ensuite, pour ma part, j'ai mis des événements communs sur des touches, comme la 1, mais c'est comme une arme que je me suis mis. L'arme numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, jusqu'à 10, mettons. Après ça, vous pouvez changer celle-là. R, mais c'est pour moi, ça peut être changer telle affaire, mais c'est tous des événements communs vous faites. Puis vous venez mettre votre numéro d'événement commun. Puis tout est en français. Les lettres aussi, l'enter, ces choses-là. Pour ma part, j'ai pris la space. La barre. Puis ici, je l'ai repris aussi. J'ai repris l'événement commun sur le pad numérique numéro 1. C'est pour vous montrer dans le tutoriel comme quoi que le plugin fonctionne avec les commandes touches. On va aller voir dans le jeu aussi, dans le même menu, comme quoi qu'on rouvre bien le sélecteur d'événements puis tout ça. Que là, on va aller voir ça tout de suite. Ici, événement commun. On m'a monté ça. Commande spéciale, ça c'était sur mes anciens tutoriels. C'était similaire au sélecteur d'événements, sauf que c'était en commande script, puis en éditeur, mais on était bloqué avec avec un message que si on voulait avoir plus que ça en événement, ça fallait ajouter autre, puis faire afficher un autre message d'autres événements. Mais tu sais, c'est quand même propre aussi. C'est quand même très propre. Mais là, ici, c'est avec le plugin, puis les commandes, qu'on crée notre événement commun. On ajoute nos événements communs avec avec les commandes, les événements communs qui sont ici. Ensuite, on la roue. Bon, pour ma part, je me suis mis un label menu pour remonter à mon menu. Pour si je dis cancel ou oui, pour le faire. Puis je me suis affiché une photo parce qu'il y a une transparence. Vous restez genre dans votre tableau, quelque chose comme ça. Mais en ajoutant une photo. En tout cas, on va aller voir ça de plus près. Et là, on va le voir dans le même menu. Même menu. La photo en arrière-plan. On a le sélecteur qui vient de s'afficher. Comme vous voyez, c'est pas comme dans mes autres tutoriels. J'avais une chose ici qui avec des chiffres. Puis là, on avait des. Mais ça, c'est tous mes événements communs. Le change window va venir avec un autre plugin, là, ça va m'en venir là-dessus une autre fois. Alors, on peut avancer là, téléporteur, banque. Ça fonctionne. Et là, je le kill, comme ça. Que là. En premier lieu, j'ai ajouté le 9999, c'est mon événement que j'ai créé. Puis dans mon événement, j'ai créé, mais j'ai fait toutes mes commandes. Mais la commande TRB Selecteur Event Add 11, ben c'est la banque. 12, ben c'est Change Window. Ainsi de suite. Là, mais ça va ouvrir, là, ça, plus que vous en mettez, plus que ça roule. Alors, après ça fait un gros sélecteur. Ensuite, ça, c'est déjà 2, parce que là, le mettre sur le menu, c'est 1. Puis les commandes plugin, c'était sur un autre. Là, si je touche mon clavier numérique de mon clavier, là, le chiffre 1, faut que je l'allume. Le numéro 1, comme je vous ai montré tantôt, j'ai encore ouvrir le sélecteur d'événements. Qu'est-ce qui fait, c'est qu'on a des commandes pour le clavier,
la commande pour le sélecteur d'événements et on peut l'ajouter au même menu. Que c'est trois plugins dans un, c'est que ça fait quand même un petit ménage dans ça ici, ça fait un petit ménage. Que pour ma part, je m'a continué à en faire d'autres, des 3 pour 1. Si je peux faire des 4, des 5, des 6 pour 1, mais tant mieux, m'en mettre le plus que je peux dedans. Comme ça, mais peut-être que c'est plus gros à télécharger et à uploader. Mais je trouve que c'est plus propre là, côté propreté. Sauf qu'à l'intérieur du plugin, oui, ça fait beaucoup. Là. Il y a beaucoup de commandes à mettre, énorme, mais bon, je trouve que. On a trop de plugins là-dedans, que ça n'en fait pas mal. C'est ça. Si on peut faire des 2 pour 1, des 3 pour 1, je trouve que ça serait bon. Sans qu'il se mélange avec d'autres plugins, toujours faire des tests avec d'autres plugins, voir s'ils se mélangent, des choses comme ça. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de tests, puis ils se mélangent pas, tout va bien, pour ma part. Que je vais le mettre dans la description, puis c'est ça. C'est un plugin pas mal indispensable que je trouve parce que là, les commandes sur le clavier, j'en ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup que je le trouve vraiment spécial. Je vous dis à la prochaine pour les prochains tutoriels. À bientôt!